Bonsoir, merci d'être là et c'est super de voir. Je voulais simplement savoir si potentiellement il y avait une anecdote de tournage qui se passait à un moment un peu trivial, drôle, à la fin. Bonsoir, je voulais que vous pourriez nous raconter sur le casting de Patrick McGee et aussi votre collaboration avec Kelo Donaggio pour la musique. Le casting de Harry Patrick McGee. It occurs to me that the studio said, well, you know, we get, for the doctor, we can get Donald Pleasance, we can get Christopher Lee. Le studio voulait Donald Pleasance, we get Christopher Lee pour ce rôle-là. And I said, I love to work with those guys, but knowing us, we'll be tipped off that the doctor isn't really a nice guy. Et ça ne va pas vraiment fonctionner, nous sommes d'accord avec les historiens, mais il faut qu'on garde l'idée que le docteur est peut-être, peut-être pas, est un gentil, est un sympa. So I suggested Patrick McGee, who of course is a very well known Chelsea. Et j'ai choisi, j'ai eu envie de contacter Patrick McGee, que tout le monde adorait pour son rôle de Chelsea à sa télévisée à chaque moment. And he was a very warm actor and very good, and he convinced you that he did care. Finalement, ce qui m'intéresse dedans, ce sont principalement les effets de l'homme, etc.
produits qui sont faits uniquement pour leurs effets spéciaux. Alors, bonsoir, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. J'ai vraiment bien apprécié le film et je trouvais que les effets spéciaux allaient très bien vieillir. Je trouvais aussi que les scènes horrifiques marchaient très bien. Par exemple, lors de la scène de la cabane, je m'attendais à un moment à ce qu'il y ait un jeune qui arrive. C'est pas sursauté, mais j'ai vraiment cru que ces scènes de tension de l'heure qui marchent vraiment bien, qui ont une référence assez immersive. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'était en rapport avec la fin. Est-ce que c'était volontaire de faire une fin qui soit ambiguë, ou alors de faire une suite, mais au final, ça n'a pas eu lieu? Did you want to do a sequel? No, what the Andreism intended to do was create a sequel, although it did create, I believe, that was now 7 sequels. La fin n'était pas du tout conçue pour être une fin ouverte qui ouvre à d'autres suites. Ce n'était pas du tout le projet. Même si finalement il y a eu 7 films. Donc il y a 7 films, ça a été 7 suites à ce film. None of which has anything to do with this movie. Et d'ailleurs, aucune d'elle n'a rien à voir avec ce film. On examine. Oui, bonjour. Vous avez dit sur une question précédente que le loup-garou n'avait plus été beaucoup traité après votre film et celui de John Landis. À votre avis, pourquoi en fait cette figure est plus du tout traitée au cinéma ou quasiment plus par rapport au vampire, aux zombies? Les vampires, c'est facile à faire comme film parce qu'il y a comme un liège avec les dents. Les zombies ont pris finalement plutôt la suite de la mode des films de loup-garou. But zombies became extremely popular when the Italians started ripping off the George Romero movie. Et finalement, les zombies sont devenus un thème très très populaire quand les réalisateurs italiens ont commencé à piquer dans les films de Romero. And now you have, you know, TV series like The Walking Dead, and you have World War Z. Aujourd'hui, il y a des séries. Aujourd'hui, c'est Walking Dead ou World War Z. C'est des séries qui reprennent la suite. So zombies are kind of taken over, but when you think about it, the origins of zombie movies are very, very broad. Mais c'est donc les zombies qui ont créé la suite de ce genre de film-là, même s'il faut bien se rappeler que l'origine des films de zombies, c'est vraiment des films à très petit budget. Werewolves, on the other hand, are much more complicated. To picture. And now the CGI has come in. There was a picture called American Werewolf in Palace, you may have heard of it. And it's got CGI werewolves, and they just aren't very talented. Il faut bien comprendre que les films de loup-garou sont chers à produire pour des questions de effets spéciaux. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup par l'image par ordinateur, en tout cas par ordinateur. Il y a eu un film récemment dont vous avez entendu parler, qui s'appelait American Werewolf in Paris. Donc vous en avez entendu parler. Mais c'était complètement, les trucs, là, j'ai complètement tous fait par ordinateur, c'est complètement différent. First of all, thank you for this film and your whole career. Merci, bravo pour ce film et pour toute votre carrière. I just want to ask you, what were the werewolves movies that inspired you for this one, and maybe what other werewolves movies that are nowadays you like? To recommend? Yes. Okay. Je voudrais savoir les films de loup-garou qui vous ont inspiré et ceux que aujourd'hui vous pourriez nous conseiller. Company of Wolves is good. Company of Wolves. Ginger Snaps. Ginger Snaps.
essaient chacun de faire quelque chose de nouveau. Et ce que nous recherchons tous. Voilà, on a travaillé. Donc voilà, je n'ai pas entendu que ça vous a recommandé. Thank you, because especially with Gremlins, they have one of my best memories with my young brother. Je vous remercie notamment pour Gremlins, c'est un film avec lequel j'ai de très très bons souvenirs avec mon frère cadet. And I would like to know if you have any scripts or movies you are going to do. Et je voudrais savoir si vous avez des scénarios pour des films sur lesquels vous travaillez en ce moment. I have a lot of scripts, but I don't know how to do them. It's up to the financiers. J'ai beaucoup de scénarios, mais je ne suis pas en train de travailler sur un film parce que tout ça dépend des finances et des financiers. Good luck. Thank you. Thank you. Bonne chance. Bonsoir, c'est toujours un plaisir colossal de retrouver Dick Miller dans chacun des films de The Land. Et c'est encore le cas évidemment dans Hurlement, où je vois du libraire. D'ailleurs, c'est la première fois, c'est la troisième fois que je vois le film, et c'est la première fois que je remarque que dans ce film, Dick Miller parle vraiment comme Martin Scorsese. Des vies comme ça, c'est saccadé, enfin, c'est des volontaires. Et donc, je voulais savoir si Joe pouvait nous rappeler. Une anecdote, alors je sais que c'était il y a 40 ans, mais est-ce qu'il se souvient précisément de sa collaboration avec Miller sur le tournage de sa grande scène dans la librairie et qu'il, au passage, on rende un hommage à Dick Miller qui nous a quittés en 2019 et qui est vraiment un acteur tellement génial dans chacun de ses films, même s'il est dans un petit rôle à chaque fois. J'adore être avec Dick Miller, mais je lui demandais de, même quand c'est un tout petit rôle, je lui demandais toujours d'être dans le film. Martin Scorsese is one of the twice, so I don't know if they talk to each other. Martin Scorsese l'a engagé à deux reprises sur deux films, je ne sais pas s'ils parlaient ensemble, mais ils se copiaient dans la façon de parler. But the other thing is that they always felt that this was his favorite scene in this movie that he ever done. Mais la scène dont vous parlez dans la bookshop, dans la bulle de librairie, il a dit ça c'est préféré. Et c'était la scène dont il disait toujours que c'était sa préférée. It was all shot on the first day. Et ça a été c'est une prise, c'est la première prise. On a été tourné en je sais quoi. I miss him too. Et il me manque aussi. Thank you. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. J'ai juste une question simple. Quel conseil vous donneriez à un réalisateur qui débute aujourd'hui? Un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous avez commencé votre carrière? On me pose beaucoup, très souvent cette question, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'avais plein de réponses, des tas de trucs que je répondais sur ce que c'est que d'être réalisateur. But today they are completely irrelevant. Mais aujourd'hui, ce conseil ne vaut rien. The movie business has changed so immensely. Some of it in just the last 2 years. Et c'est parce que c'est un métier qui a changé tellement immensément. Et même, je dirais, même ces deux dernières années, ça a changé. That there are really no hard and fast rules anymore. Et donc, il n'y a plus de règles maintenant. Il n'y a plus de règles faciles à suivre du tout pour avancer, je crois. My advice is see a lot of movies. Mon conseil, c'est voyez beaucoup de films. Make a movie within your computer, if you can. Faites votre film avec votre ordinateur, si vous voulez. Finish it on your computer. Mix it. Faites-y le mixage, faites le montage. And then comes the hardest part. Et là, c'est là qu'arrive le truc compliqué dans un film. Arriver à ce qu'il soit vu. Because there are no distributors sitting around waiting for your movie. Parce que les distributeurs de films, ils ne sont pas là à attendre désespérément que vous leur proposiez votre film. So, you can put it on the internet, but then you have to find a way to get people to see it. You can put it on YouTube, maybe, but you still have to direct people to it. And
et vous pouvez le mettre sur Internet, vous pouvez le mettre sur YouTube, mais reste quand même le problème d'orienter les gens pour qu'ils viennent le voir, pour qu'ils le regardent, pour qu'ils le trouvent. So my best advice is that if you do manage to do something, whether it's a feature or a short, put it in the film festival. Et donc mon conseil c'est, si jamais vous faites un court métrage ou un long métrage, arrivez à montrer-le dans un festival. Because there's just a chance that somebody might see it and recommend it to someone or recommend you to someone. Parce que là, il y a une chance pour que quelqu'un le voie, le conseille à d'autres, et vous conseille des gens auxquels il faudrait montrer ce film. It's ironic that now that it's become easier to make movies than it ever was before, it's become harder to figure out what to do with them. C'est ça l'ironie finalement de l'époque en ce moment, c'est que c'est devenu complètement facile de produire, de réaliser un film avec ses propres moyens, et c'est proportionnellement c'est devenu plus compliqué de faire que ce film soit vu. Bonsoir Monsieur Dante. Je souhaitais vous parler de l'un de vos proches collaborateurs, qui est votre directeur de la photographie, John Ora. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à votre cinéma. Je pense que notamment, il a éclairé Gremlins, il a éclairé Panic sur Florida Beach, Explorer, tous vos films. Mais sur le moment, il apporte quelque chose de très important. C'est son travail sur tout ce qui est nocturne, toutes les scènes de nuit. Et il y a aussi une chose cruciale, c'est son travail sur l'éclairage des maquillages. Parce que le robotine a beau être un surdoué pour les maquillages, si ces maquillages avaient été mal éclairés, le film aurait eu aurait moins marché. John Moore was one of the most talented people that I've ever worked with. John, c'est vraiment un des talentueux de quelqu'un. When I met him, he was doing nature films. Quand je l'ai rencontré, il filmait des films animaliers sur la nature. After we did this picture, which was the first film I did with him, après ce film, qui est le premier de notre collaboration, we got along so well that I asked him to do et donc je lui ai dit c'est tellement bien passé que je lui ai demandé qu'on fasse Gremlins, qui était plus en production. After that, I used him as often as I could. Et après ça, je lui ai demandé de travailler sur tous les films possibles, chaque fois que je pouvais. Except on Interspace, where it came with a DP. And I asked John to play a part in the movie, so just so we made the movie. Et en fait, ça n'a pas été possible sur Interspace, l'aventure intérieure. Le projet m'a été proposé avec un chef opérateur qui était déjà attaché au projet. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à John de jouer un rôle dans le film quand ça a été dit, ah, je n'avais pas le nom. John a successful career, but I don't think he ever got quite as famous as he should. Je pense que John est un immense talent, mais qui n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait. Bonjour, ici. Non, en bas. En face de vous. Ah, c'est là. Merci pour le film. Je suppose que vous avez vu le film lors de sa restauration et je voulais simplement savoir ce que vous pensez de votre film à l'heure actuelle. J'ai été très impressionné par les capacités techniques d'aujourd'hui pour les restaurations de le film. This was designed to be a color movie, as opposed to a movie that just happens to be in color. Il s'agissait en plus de jouer beaucoup avec la couleur, c'est parce qu'on a un film en couleur, c'est un film vraiment qui joue, qui met très en avant les questions de couleur. The new digital technology can really bring out contrasts and colors that were difficult to do on film. Et avec cette nouvelle technologie sur le support numérique, on arrive vraiment à donner un contraste à la couleur. Difficile d'obtenir en tirage sur véhicule. So my feeling is that the picture was as good or better than it did when it was made. Donc j'ai l'impression que vraiment c'est ce qu'on a bien lieu. Bon, c'est vraiment cette façon-là de voir le film que vous avez vu là ce soir. C'est la plus belle copie que vous puissiez imaginer du film. Ça n'a jamais été aussi bien. On va prendre encore deux questions si vous voulez. Merci. Une en haut et une en bas. Voilà. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur l'alternance dans votre film entre les paysages
l'ont dit, c'est que c'est des fois pour étudier un certain regard que peut porter les citadins sur le rural ou l'inclusion du rural dans la ville, dans le pain. Non, bonsoir. Hello. I see one movie a day, and two of the best movies I saw is Your Two Gremlins, and so I have just one question. Je vois deux films par jour, et vraiment parmi mes préférés, il y a les deux Gremlins. And my question is Gremlins 3. Et ma question est, un Gremlins numéro 3. It was an animal, that's not very nice. Les inévitables, il fallait que j'en pose cette question. Well, my version of Gremlins 3 is the new animated series, Gremlins Secret of the Mogwai. Il me semble que la nouvelle série animée est quelque part finalement ce qui peut être compris comme le Gremlins 3. It's a 10 episode series. C'est une série de 10 épisodes. That's a prequel. C'est un prequel. That's about Mr. Wing, the old Chinese guy when he was a little boy. C'est Monsieur Wing, vous savez, le chinois dans le film, et ça raconte son enfance. In 1920 Shanghai, where he meets the Mogwai. Et ça se passe à Shanghai dans les années 20, c'est là où il rencontre le Mogwai. It's very clever, it's really well made, and I think it's going to be, when people finally see it, it's going to be very popular. Et c'est très intelligent, c'est fait avec beaucoup d'esprit, j'aime vraiment beaucoup, et je pense que les gens ont vraiment aimé. So that's the grammar story that I know. Et donc voilà, c'est pour moi ça. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.